entre le premier et le deuxième, troisième album, c'est vrai que ce sont des livres qui sont pensés un peu comme une série. Mais au départ, je n'avais pas pensé faire une série du tout. J'ai fait un livre qui s'appelle Le Manche Doudou. Et donc, dans Le Manche Doudou, il y a ce personnage de Berk. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était important pour les enfants, parfois, de retrouver des personnages ou des livres dans les livres, des séries, finalement. L'effet de série, c'est important pour tout le monde, hein. Et quand on est adulte et quand on est enfant. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire un deuxième. Alors, je me suis dit, je ne vais pas faire un Manche Doudou numéro 2. Donc, j'ai juste repris le personnage principal, Berk, et ensuite, j'ai travaillé. Et le travail, il s'est fait sur des lieux différents. Le Manche Doudou, c'est la chambre. Donc, c'était... un espace chaud avec... donc là, j'avais fait un dessin très simple, crayon et puis peinture. Et puis la deuxième, c'était, je me suis dit, un autre lieu où les enfants jouent, inventent des histoires de manière... tout comme ça, c'est extraordinaire. C'était un lieu très simple qui est la baignoire, par exemple. Donc la baignoire, c'est le deuxième lieu et le deuxième livre. Et la baignoire, c'est quoi? C'est parfois une mer démontée, une piscine olympique... un ouragan, enfin il peut se passer plein de choses, donc ça me plaisait que ce personnage de Berk soit dans cette baignoire et qu'une histoire se fasse autour de lui. Et troisième, c'est la nuit de Berk, donc c'est le dernier. Même chose, je me suis dit un autre lieu avec ce même personnage, un lieu que les enfants connaissent bien, un lieu familier, mais dans ce lieu aussi simple et familier, eh bien, il peut se passer des choses extraordinaires. Et donc le troisième lieu, c'est la classe. Et encore différemment, comme la classe était un peu complexe comme lieu, un peu trop compliqué, puisque moi j'aime bien les endroits simples, hein, sur lesquels on peut y rêver, imaginer des choses compliquées peut-être, et bien du coup j'ai mis ça dans le noir. Donc ça me permettait de faire en sorte que ce soit une autre histoire de Berk, mais toujours différente. Alors au départ, non, c'est toujours la même chose, hein. Au départ, je ne me dis jamais que je vais faire une suite. Et là, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai aucun livre en préparation qui raconte une quatrième histoire de Berk. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de trouver un quatrième lieu où il se passe quelque chose. Donc, je suis prof d'art plastique et j'ai des étudiants aussi. Il se trouve qu'à Bordeaux-Montaigne, c'est la seule université en art plastique où il y a une option illustration que j'ai pu monter il y a quelques années. Et donc c'est vrai que l'illustration, ça fait partie aussi des possibilités que les élèves, que les étudiants plutôt, ont pour développer leur travail futur et leur pratique à la fac. Et alors, pour moi, ce qui est bien, c'est que finalement, d'un côté, je me sers de ce qu'est l'université en art plastique. Ils ont une culture dans le champ de l'histoire de l'art, en art contemporain. Ils sont très liés à des pratiques qui sont des pratiques graphiques ou plastiques contemporaines. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette culture-là pour la ramener ensuite vers autre chose qui est la question du livre ou de l'édition ou de l'illustration. C'est-à-dire une illustration, en gros, c'est une image qui est liée plus ou moins à un récit et c'est une image qui n'a pas de valeur pour elle-même et qui n'existe que par rapport à un support de destination, c'est-à-dire un t-shirt, une boîte de conserve, un livre, une revue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce passage-là. Et du coup, ce qui est formidable pour moi, je trouve, c'est que mes étudiants, ils font de très très belles images, souvent, ils m'impressionnent. Et en même temps, moi, mon rôle, c'est aussi de me rendre compte qu'est-ce qu'on a à dire et qu'est-ce qu'on fait de ces images, pour qui on les fait. Et donc ça, on retrouve l'illustration là-dedans. Et c'est vrai que le fait de faire des livres et d'être, depuis quelques années maintenant, publié, d'être invité, de connaître ce milieu, ça m'aide aussi à leur expliquer qu'est-ce que c'est que la réalité du métier d'illustrateur, pas toujours facile, et en même temps, comment on peut s'en sortir quand même. Alors c'est vrai qu'entre mon premier album publié, Mako, et puis la dernière série, là, il y a un vrai écart. C'est un écart qui est à la fois... qui se voit tout de suite. C'est pas du tout une évolution, c'est-à-dire que j'ai pas... mais j'ai toujours fait des choses très différentes, en fait. J'ai toujours fait des choses, même maintenant, très différentes. Ça peut m'arriver de faire des affiches pour un événement, des couvertures de livres ou du dessin très différent ou de la gravure. Mais en même temps, ça se voit moins que les albums jeunesse. Donc pour Mako, en fait, j'avais envie de faire un album qui était lié à un propos particulier. Ça se passait sur la banquise. J'avais travaillé beaucoup sur la question des cartes en théorie au niveau de... donc je voulais parler de cartographie, de ce lieu étrange. Je voulais faire un album très graphique, froid,
Donc j'ai utilisé des outils qui sont très différents des autres albums, puisque là, je m'adresse plutôt à un public plus petit. Donc la série des Berks, c'est vraiment une série accessible, a priori simple dans sa forme, parce que ce sont des livres qui sont partagés. Il me semble que c'est des livres qu'on lit à haute voix et qui amènent par le rire, par les frissons partagés au plaisir de la lecture. Ça, c'est de la lecture d'histoire et d'image. Donc pour moi, c'est important dans cette série. Et c'est tout autre chose dans Mako. Mais c'est vrai que j'ai des projets. Là, mon prochain projet, ce sont sans doute des projets qui sont plus graphiques, plus à la mode, même, j'ai envie de dire, d'un point de vue graphique, même s'il y a pas, on sait qu'il y a des tendances, hein, des choses qui reviennent. Mais mon but, ce n'est pas d'être à la mode ou d'être dans la tendance de l'art graphique aujourd'hui, mais c'est d'arriver à trouver des formes qui répondent à ce que je cherche. Donc c'est vrai que dans le prochain, je pense que ce sera un album plus complexe peut-être. Mais j'espère en même temps garder le ton et la joie du récit finalement et le plaisir partagé qu'on peut avoir sur certains albums et qu'on retrouve dans la série des Berks. Alors si j'étais un héros de la littérature jeunesse, c'est difficile d'abord parce qu'on ne se projette pas trop sur des héros. Je ne peux pas répondre. Je peux dire juste que j'aime. Enfant, je pense que je me suis projeté sur. Je lisais et relisais. Chacun a des livres qu'on a lu et relu plein de fois. Enfant, j'adorais lire un livre de John Bunningham qui s'appelle Arquin, le renard qui descendait la vallée. Donc c'est l'histoire d'un petit renard qui vit tranquille avec sa famille et qui est pourchassé par des Anglais aristocrates qui font de la chasse à cours. Mais comme il est très malin, il les amène dans des marées, enfin voilà, et donc voilà, ce personnage de Arquin m'a toujours fasciné. Et donc est-ce que je me projette, c'est une sorte de héros ou de anti-héros, hein, puisque lui il est juste calme, il n'est pas là pour sauver le monde, il est pour être là pour être tranquille avec sa famille, et finalement il est obligé d'agir pour changer les choses. Et je pense que dans mes livres, les personnages ne sont pas non plus des héros, mais plutôt des anti-héros, un vieux mouchoir sale à tête de canard, ou un gros morse un peu lourd, par exemple. Donc voilà, je me projetterai plutôt sur ce type de personnage. Voilà.